Alors, nous allons faire une vraie fondue suisse. Ou savoyarde, hein. Point d'exclamation. Alors, le vin est déjà dedans, mais on ne le voit pas. Parce alors, que c'est un verre de vin par personne, plus un. Mais un verre de vin vaudois, c'est pas, même pas un déci. Bien. Ensuite, 150 g de fromage par personne. Et on met la farine à froid, pas de la maïzena. Ah, oh, c'est de la farine que tu mets ? Oui, tout petit peu de farine à froid. J'ai toujours mis de la maïzena. Ouais, alors, la farine à froid, il faut la faire pénétrer comme ça, elle se mélange bien au fromage. Attends, je précise que la farine dans le fromage à froid, c'est régional. Donc, nous sommes dans le canton de Vaud. Alors, ici, on sait que ça ne loupe jamais. Elle vient onctueuse au fur et à mesure que le vin chauffe et que le fromage fond. C'est la flamme qui vient après. Voilà, la fondue est bientôt prête. Alors, il faut aussi avoir les bonnes assiettes pour avoir la vie belle, bonne fondue et vieille bouteille. Fondue et bon breuvage font un doux badinage. Le réchaud, bien sûr. Il est biologiquement dégradable. Mis au premier degré, voilà. Je crois qu'avec c'est comme l'air qu'on respire. Une manière d'ouvrir une bouteille. Oh là. Donc, on peut aussi boire du vin rouge avec une fondue. Mais c'est pas interdit. Sûr, ça, ouais. Et il faut toujours que quelqu'un touille. Oui, oui. Ben, écoute, ça, c'est ce que Rosie dit. Hein, mais... Ben là, oui, mais c'est parce qu'elles sont vendues avant qu'elles sont considérées d'être à la casse, celles-là. Elles sont... Toujours tournées dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui, parce que soi-disant, ça la faisait rater. Tu la retardes, autrement. Pour autre chose. Ouais, alors, celui qui perd son morceau de pain doit payer par exemple, une bouteille. Là, on voit que c'est pas n'achète, là, parce que t'as pas tourné dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Je veux répéter ce que tu as mis comme fromage. J'ai mis moitié-moitié les deux tiers. Moitié-moitié. Moitié Vacherin fribourgeois, moitié gruyère vaudois. Puis quatrième tiers, tu as mis. Et puis, c'est du Vacherin. Non, c'est du gruyère en détail, vaudois. Il faut que la fondue fasse des fils, comme dans Astérix le Gaulois. Voilà. Voilà, ça c'est une vraie fondue. Le coup du milieu avec un bon kirsch. Aplati avec des pommes. Ouais, un calvados ou. C'est de la pomme. De la pomme. De la pomme qui la grappe. À défaut de kirsch. Ça aide à digérer. Voilà. 42 degrés. Mais c'est de la pomme que tu as. Oui. 42.